Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée à la guidance des anges. J'espère que vous allez tous bien. Pour les anciens, vous connaissez le principe et pour les nouveaux, rassurez-vous, je vais expliquer. La guidance des anges a pour but de vous faire une petite guidance sur deux domaines qui vont être donnés au hasard, j'ai envie de dire, même si le hasard n'existe pas. Pour cela, je vais utiliser le plateau qui s'appelle le Cercle Messager des Anges de Dorine Virtue. Et pour compléter, je vais utiliser deux oracles de Dorine Virtue, à savoir l'oracle des anges et les réponses angéliques. Et en prime, on prendra un petit message du divin ange de Dorine, mais cette fois-ci Gilbert. Allez, c'est parti tout de suite. Donc, j'ai divisé le plateau en deux parties pour qu'on puisse avoir nos deux domaines et on va sélectionner les domaines. Allez, nous avons un 2. Donc ce sera pour le premier domaine, la santé. Et pour le second, ce sera un 3. 1, 2, 3. Et ce sera l'argent. Je vous précise avant de commencer qu'il s'agit d'une guidance intemporelle. Autrement dit, peu importe à quel moment vous regarderez la vidéo, si c'est demain, dans 6 mois, dans 6 ans, c'est que vous aurez été amené à, eh bien, découvrir le message qui se cache derrière ces deux domaines. J'ai envie de dire que pour la conjoncture actuelle, le domaine de la santé et de l'argent, ça va parler à tout le monde. Allez, maintenant, on va définir sur quelle case on va se mettre afin de travailler en précision. Nous avons un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on nous parle de sommeil ici. Ah, ça, le sommeil, c'est une problématique qui est propre à beaucoup d'entre vous, à commencer par moi. Et pour le domaine de l'argent, nous avons un 4 et 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ce sera demander plus pour l'argent. Ah, ça, on est d'accord, hein. Il faut toujours demander plus et puis il faut toujours viser plus, hein. L'argent, il n'y a pas de mal à en avoir. Attention à ne pas tomber dans les excès et dans les extrêmes, c'est-à-dire à devenir vénal, égoïste, grippe-sous, etc. Non, l'argent, c'est bien d'en avoir, hein, parce que contrairement à ce qu'on dit, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais on va quand même pas se mentir, il y contribue un petit peu, hein, quand les factures sont payées, quand le loyer est payé, quand on a un petit peu de sous pour s'acheter un petit pull, pour s'acheter quelque chose d'utile ou remplacer la voiture, hein, on va quand même pas cracher dessus, qu'on soit bien d'accord. Allez, donc pour le premier, on nous parle de santé et de sommeil. On va d'abord se prendre un message avec l'oracle des anges. Alors, on nous parle de mariage ici. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Et pour le second, on nous parle du désir. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Eh bien, je trouve qu'on a deux messages qui sont très intéressants ici et qui sont liés au sommeil. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le sommeil et le mariage? Le mariage, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le fait de s'unir à quelqu'un, mais aussi de s'unir à des convictions. Et ici, c'est à prendre au sens métaphorique, pas au sens propre du terme. En tout cas, pour moi, bien sûr, vous êtes libre de l'interpréter comme vous le voulez. Mais ici, le mariage, pour moi, me parle du fait de s'unir avec vous-même, de vous retrouver. Surtout qu'on nous parle bien de désir. Est-ce que par hasard, votre manque de sommeil à l'heure actuelle ne provient pas du fait que vous vivez une certaine forme de rupture avec votre conscience, avec votre volonté et qui vous êtes réellement? Je vous prends un exemple très concret. Imaginons que vous ayez accepté un travail parce que vous avez besoin d'argent, vous ne pouvez pas continuer à vivre au RSA ou au chômage ou sans revenu. Et malheureusement, ce travail, il est pratique sur plein de choses, c'est-à-dire qu'il est à côté de chez vous, les horaires sont assez sympas, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de points positifs, mais au niveau de vos valeurs personnelles et vos convictions, ce travail ne correspond absolument pas avec qui vous êtes, et on vous demande même de réaliser des tâches qui sont en désaccord complet avec qui vous êtes, avec vos convictions, avec votre foi, avec vos valeurs. Et bien ça, ça crée une rupture, c'est-à-dire que vous êtes obligé de réaliser quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas vous. Et
Et cet exemple, vous pouvez bien sûr le décliner à l'infini sur plein de situations. À l'heure actuelle, pour moi, je pense que vous vivez une certaine forme de rupture qui fait que vous êtes troublé et vous êtes perturbé et c'est votre sommeil très souvent. Hein. D'ailleurs, quand on a quelque chose en tête, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est contrarié, c'est souvent en premier le sommeil qui ramasse. Si vous avez un problème avec ce sommeil-là, eh bien, je vous invite à faire un travail introspectif pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, avec quoi vous êtes en rupture. Et il serait temps de revenir vous unir au contraire. Mais pour cela, vous devez aussi éclairer et préciser votre désir ou vos désirs. Quels sont vos désirs? De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin? Et vous devez impérativement faire ce travail afin de déterminer les causes et les conséquences de votre état à l'heure actuelle. Et une fois que vous aurez réussi ce travail, ensuite faites un travail supplémentaire en vous disant, ok, maintenant j'ai identifié ce qui n'allait pas. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que je voudrais vraiment. Et ce que je veux, est-ce que ça colle avec ce que j'ai à l'heure actuelle? Et vous allez voir qu'en faisant ce travail, vous allez trouver vous-même les réponses. Et lorsque vous aurez identifié exactement ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez pour vous, pour votre vie, pour votre foyer, etc., eh bien, il y a plein de choses qui vont retrouver leur normal, à savoir le sommeil. Un problème de sommeil peut aussi être synonyme de culpabilité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment vous empêche de dormir parce que ça vous fait ruminer, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser ou quelque chose à quoi vous n'arrêtez pas de penser, comme la veille d'un mariage? Je pense que pour tous ceux qui se sont mariés, en principe, la veille du mariage, rares sont ceux qui arrivent à bien dormir parce qu'on est à la fois stressé, on est à la fois excité, c'est un jour important. Donc voilà, puis c'est un petit peu un moment d'introspection, on prend conscience que c'est la dernière nuit où on est officiellement célibataire, même si on est en couple avec la personne depuis plusieurs années, plusieurs mois, c'est officiel, c'est-à-dire que légalement, ça y est, on appartient à l'autre personne. Donc ça peut éveiller certaines formes d'angoisse. Et toute la nuit qui va précéder le mariage, eh bien, on va cogiter, on va penser, on va réfléchir. Eh bien, il faut que vous soyez dans cette étape-là, c'est-à-dire la veille de votre mariage, avant de vous engager, avant de prendre la décision de dire oui, de finaliser votre engagement. Prenez le temps d'abord de réfléchir profondément à est-ce que vous en avez véritablement envie. C'est-à-dire que même le jour J, hein, lorsque le prêtre, le pasteur, le maire, peu importe, vous demande, voulez-vous prendre un tel ou une telle pour époux, pour épouse, vous avez encore la possibilité de dire non. Même si vous avez toute votre assemblée qui est en train de regarder et il est impensable que vous disiez non, vous avez encore le choix de dire non. D'accord? Ne vous sentez pas pris par une forme de pression et être obligé de répondre parce que c'est ce qu'on attend de vous. Non, si ça ne vous convient pas, si vous avez réfléchi et que finalement vous ne voulez pas cette situation, vous êtes libre de pouvoir dire non. Allez, on va compléter avec un petit message du divin ange. Ah bah on a deux cartes qui sont sautées. Bah écoutez, on va les prendre. Hein. Alors on nous... Non mais les amis, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est quand même fou, c'est fou. Regardez la carte qui est sautée, que désirez-vous vraiment? Mais c'est incroyable, incroyable. Donc voyez, vraiment on vous sollicite, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Posez-vous cette question, c'est vraiment très important. Quand même, je vais vous montrer sur les deux cartes de deux jeux différents, on a exactement les mêmes titres. Et pour l'autre, on nous parle de réussite et de bonheur. Bah ça colle bien aussi avec le mariage, hein, pour le coup, hein, parce que en principe, je dis bien en principe, quand on se marie, c'est une forme de réussite et de bonheur, en principe. Eh bien, pour moi, voilà, ça répond vraiment à votre interrogation, à votre problématique sur le sommeil. Il y a des choses dans votre tête qui, pour l'instant, vous prennent de l'énergie et il faut que vous fassiez ce travail de réflexion. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et une fois que vous aurez établi vos désirs, eh bien, vous allez trouver naturellement un fil conducteur, un chemin sur lequel eh bien, vous mettre, hein, emprunter. Et vous verrez que ce chemin-là vous apportera réussite et bonheur. Et j'ai envie de dire que c'est logique parce qu'à partir du moment où on fait ce que l'on veut, où on fait ce que l'on a envie, on y met de l'intention, on y met de l'énergie, on y met son cœur, on y met de la motivation. Bref, on met absolument tout ce qu'on peut mettre dedans et ça ne peut qu'aboutir. Allez, maintenant, je vous invite à poser une question à haute voix ou dans votre tête. Une question fermée, si possible, par oui ou par non.
Alors, la réponse est pas le bon moment. Voilà, pour l'instant, par rapport à votre question, ce qui touche votre sujet ou votre domaine, ce n'est pas encore le bon moment. Laissez-vous du temps. Et effectivement, si votre question correspond à ce que l'on vient de traiter sur le domaine-là, j'ai envie de dire, c'est logique. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail de réflexion, d'introspection sur vous et établi les désirs que vous aviez envie et dont vous aviez besoin, vous ne pouvez pas encore accéder à ce que vous voulez, hein. Il faut d'abord, c'est comme un mariage. Un mariage, on ne va pas se marier du jour au lendemain. Ça se prépare, il faut du temps, il faut mettre plein de choses en place. Eh bien, c'est le même principe. Pour réussir une partie de votre vie, si vous voulez acquérir ce que vous convoitez, il va falloir mettre en place certaines choses et laisser du temps se faire. Allez, maintenant, on passe au deuxième domaine qui était donc l'argent et demander plus. Alors, le premier message, l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors là, pour le coup, le message des anges, il colle quand même super bien avec le domaine de l'argent. Et le deuxième, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Je pense que vous aurez compris le message, il n'y aura pas besoin d'épiloguer. Ici, on nous parle d'enracinement et de changement de direction. Est-ce que vous êtes... Alors, peut-être que ce domaine-là est rattaché avec celui qu'on vient de traiter, hein. Je vous ai pris l'exemple du travail, mais c'était peut-être pas un hasard. Puisque ici, j'ai la sensation, est-ce que vous êtes vraiment heureux dans ce que vous faites à l'heure actuelle? Est-ce que vous semblez, est-ce que vous êtes convaincu d'avoir trouvé votre voie? Est-ce que vous vous épanouissez pleinement dans ce que vous réalisez et surtout au-delà de l'aspect satisfaction que vous pouvez en tirer, est-ce que vous arrivez à en vivre? Est-ce qu'il ne faudrait pas là aussi établir certains nouveaux objectifs comme le fait d'élever votre stabilité financière et les revenus que vous pouvez dégager de votre activité? Il faut pas avoir de tabou avec l'argent, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des tabous. J'en avais, il fut un temps. Aujourd'hui un petit peu moins, mais ça se travaille. Et c'est vrai que si vous faites par exemple quelque chose de social, si vous évoluez dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la voyance ou autre, c'est vrai que aujourd'hui beaucoup ont associé notre travail à du charlatanisme, à de l'escroquerie, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les domaines, c'est comme dans tous les travails. Vous avez des bons boulangers et puis vous en avez des moins bons. Vous avez des bons médecins et vous en avez des moins bons. C'est comme dans tous les travails. Mais est-ce que ça fait d'eux des charlatans pour autant? Alors, certains, oui. Mais pas tous. Et pareil dans le domaine de la voyance, par exemple. Vous allez avoir des personnes qui se sont lancées dans ce domaine uniquement pour se faire de l'argent, hein, c'est leur seul but qui les motive. Il y en a d'autres qui ont la volonté de vouloir faire, la volonté de vouloir aider, mais n'ont pas forcément les capacités et le potentiel, et par conséquent, ce qu'ils font n'est pas du charlatanisme parce qu'il y a la volonté, mais malheureusement, c'est pas à la hauteur, hein. C'est comme un boulanger qui voudrait faire du bon pain, mais il n'y arrive pas parce que bah, c'est pas son truc. Ça fait pas de lui un mauvais bougre. Non, il est volontaire, il a envie de nous faire du bon pain, mais il n'y arrive pas. Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter. Et puis, il y a les autres qui, clairement, évoluent sur leur chemin, ont trouvé leur voie. Et j'ai envie de dire que, surtout à l'heure actuelle, hein, si on vivait il y a quelques années en arrière ou même il y a quelques siècles, on pourrait potentiellement se passer d'argent et faire du troc, des choses. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut malheureusement financer tout ce que l'on fait. Donc, n'ayez pas de tabou par rapport à l'argent. Il faut que vous enraciniez par rapport à ça. Prenez conscience que ce que vous faites, si vous êtes légitime à ce que vous faites, si vous le faites avec le cœur, avec de la volonté et que vous êtes bon dans votre domaine, pourquoi, par conséquent, vous n'appliqueriez pas des tarifs? C'est tout à fait légitime. Imaginons que vous créez par exemple des petits bijoux et puis vous en proposez de temps en temps à des amis, des choses comme ça, ben c'est dommage parce que si vous avez un réel talent pour créer ces bijoux, si en plus ce que vous faites c'est de qualité, ben c'est bien joli les cadeaux, mais
c'est pas ça qui paye le loyer, donc pourquoi ne pas les faire payer, ne serait-ce que pour vous rembourser les matières premières, hein? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de tabou à avoir par rapport à ça. Quand vous allez voir par exemple un psychologue, concrètement, le psychologue, on va être honnête, hein, mais le psychologue, vous allez vous asseoir dans son cabinet, vous allez parler pendant une demi-heure, une heure, et c'est tout. Vous ne bénéficiez pas de quelque chose de matériel à la sortie. Non, vous allez juste avoir quelqu'un avec qui vous allez discuter et qui va vous facturer parfois des jolies sommes, alors que potentiellement, vous auriez peut-être eu le même résultat avec votre voyant personnel que vous connaissez depuis 20 ans, avec votre médecin généraliste que vous connaissez depuis 30 ans, qui vous suit, connaître votre parcours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Attention, je suis pas en train de dénigrer les psychologues, on se met d'accord. Mais c'est juste pour vous dire que tous les corps de métier existent. Et il faut savoir eh bien appliquer ses tarifs. Il faut aussi prendre conscience de sa qualité, ne pas se brader. Si par exemple vous évoluez dans le milieu du bien-être ou de la voyance ou je ne sais quoi, que vous faites des tarifs à 20 euros, alors oui, ça fait de vous quelque part un altruiste, hein, le bon samaritain qui veut aider les autres et par conséquent qui pense à tout le monde. Mais en même temps, ça fait une sorte de concurrence déloyale par rapport aux autres collègues qui peut-être eux aussi sont honnêtes et travaillent de façon honnête. Donc voyez, il y a plusieurs facteurs comme ça à prendre en compte pour s'équilibrer, et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous enraciner dans votre travail. Et on nous parle aussi de changer de direction. Alors changer de direction, il peut avoir deux sens. Dire est-ce que vous êtes véritablement heureux dans votre travail à l'heure actuelle? Si vous répondez spontanément oui, pas de souci, vous continuez comme ça. Par contre, peut-être qu'il y a certaines choses à modifier dans votre travail, votre façon de faire, votre façon peut-être que vous dites trop oui sans arrêt, et on profite et on abuse un petit peu trop de vous, vous voyez? Donc il y a peut-être certaines choses à changer, hein, en termes de direction. Maintenant, si vous avez hésité à répondre à la question ou si vous m'avez répondu non, ah, et ben là, il va falloir réfléchir. Pourquoi vous êtes malheureux dans votre travail? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas épanoui? Est-ce que c'est à cause de la paye? Est-ce que c'est à cause des conditions de travail, des horaires ou du travail lui-même ou de vous qui avez évolué et qui avez changé et vous ne vous sentez plus en accord avec ce travail? Bref, là aussi, il y a encore une introspection à réaliser en fonction de la réponse que vous avez fournie à la question « Est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? » Allez, maintenant, on va prendre un petit message. Je voudrais rire qu'on ait encore des cartes qui sautent. Non, là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, on va pas toutes les prendre quand même. 4, ça fait trop. Alors, nous avons encore quelques efforts, n'abandonnez pas, et le second message, des obstacles et difficultés. Oui, alors là, vous voyez, on nous parle bien effectivement, que vous soyez heureux ou pas dans votre travail, on nous parle bien de difficultés à venir ou qui sont déjà présentes, on nous parle d'efforts à fournir. Donc soit si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, l'obstacle et la difficulté qui vont se présenter à vous, eh bien, c'est de prendre le courage de changer de travail, d'être honnête avec vous et de vous dire ouais ok c'est bon, ça fait 10 ans que je fais ce travail, ça fait 6 mois, ça fait un an, peu importe, je suis pas heureux dedans, j'aime pas les personnes qui sont au boulot, j'aime pas les conditions de travail, en plus je suis payé une misère, bref. Tout ça, voilà, il va falloir prendre le courage de se dire, ok, alors vu la conjoncture actuelle, j'ai quand même besoin d'un travail, mais est-ce que je prends le risque de lâcher ce travail? Et si jamais je ne trouvais rien derrière, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, donc il y a toute cette problématique-là à prendre en compte qui vont représenter les difficultés et les obstacles. Et on nous parle de quelques efforts encore à faire, de ne pas abandonner. Autrement dit, ça va de pair avec les obstacles et les difficultés. Tout ce que vous pourriez mettre en place pour acquérir un nouveau travail ou pour faire changer des choses au sein du travail actuel, ça représente des efforts à fournir. Vous allez devoir investir un peu de votre personne, du temps, ou mettre en place des stratégies ou mettre en place certaines choses pour faire évoluer ce que vous voulez qu'il évolue, ou pour faire changer les choses que vous souhaitez qu'elles changent, mais on nous parle ici d'investissement et de ne pas renoncer, de continuer. N'abandonnez surtout pas, et si on a ce message aussi de ne pas abandonner, c'est que potentiellement il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière, quelque chose de mieux pour vous.
Quelque chose d'autre peut-être vous attend. Et quand je dis peut-être, j'ai même envie de dire certainement, puisque la vie n'est jamais faite d'une seule chose. La vie est un parcours, la vie est une aventure, la vie est une autoroute. Et sur une autoroute, on a plusieurs voies, plusieurs sorties, plusieurs entrées. C'est à vous de prendre les décisions et de dire est-ce que je continue à aller tout droit, quitte à peut-être aller jusqu'à un mur, hein, parce que si on prend une autoroute qu'on ne sait pas où on va, bah la destination, on ne la connaît pas, hein, on va suivre bêtement cette route. Par contre, si on décide de faire machine arrière, de prendre la première sortie et puis de s'aventurer vers d'autres choses pour voir potentiellement les opportunités qui se présentent à nous, eh bien, ça peut ouvrir certaines portes. Eh bien, pour moi, à l'heure actuelle dans votre vie, vous êtes potentiellement à ce carrefour, à cette autoroute. Vous avez soit l'autoroute qui continue tout droit, soit vous avez la voie sur la droite qui vous demande de sortir, qui vous invite à sortir. Est-ce que vous voulez sortir, hein, ou est-ce que vous voulez continuer? Le choix vous appartient. Allez maintenant, je vous invite à poser votre question à haute voix ou dans votre tête. Pareil, hein, question plutôt fermée. Ça compte pas non plus, on en a trop, on en a trois. Et la réponse c'est n'arrêtez pas. Ah oh, bah alors décidément le message. Le message, il colle tellement bien avec encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Vous voyez, on vous le confirme encore, n'arrêtez pas ce que vous avez mis en place, n'arrêtez pas. Ou si votre travail, si vous posez des questions par rapport à votre travail, peut-être qu'on vous dit aussi n'arrêtez pas, ça peut être deux messages à interpréter soit au sens littéral du terme, soit au sens métaphorique. Alors si c'est au sens propre, n'arrêtez pas votre travail, peut-être qu'on vous fait comprendre ici que la condition actuelle, la conjoncture actuelle fait que votre travail peut être important et par conséquent, posez-vous des questions. Oui, posez-vous des bonnes questions, mais en revanche, soyez conscient des problématiques qui vont peut-être se créer si jamais vous renoncez à ce travail. D'accord? Et en même temps, on vous dit n'arrêtez pas de faire des efforts, n'arrêtez pas de penser, n'arrêtez pas de vous poser des questions. Parce que si vous posez des questions par rapport à votre travail actuel, par rapport à l'argent, c'est bien qu'il y a un problème, hein. Quand il n'y a pas de problème, on ne se pose pas de questions. Par contre, à partir du moment où on commence à se poser des questions, c'est qu'il y a un problème. Donc par conséquent, continuez à vous poser ces questions pour essayer de trouver certaines formes de réponses, peut-être pour déclencher un nouveau processus en vous de vous dire, ok, je vais conserver mon travail quand même parce que j'ai besoin d'un salaire. Mais à côté, mon temps libre, je vais le consacrer pour trouver autre chose, pour chercher autre chose qui va m'épanouir, dans lequel je serai mieux, dans lequel ça va m'apporter mieux, je serai mieux valorisé, etc., etc. Donc vous voyez, on vous dit de ne pas arrêter, mais dans tous les sens du terme. Voilà donc mes chers amis pour cette guidance des anges. J'espère que celle-ci aura répondu à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Bref, vous connaissez le racolage de YouTubeurs. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.